Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous concocte chaque semaine une formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo pour résoudre vos problèmes de couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10 ou 15, 20 ans, c'est normal de rencontrer des crises de couple. Si vous savez gérer cette crise de couple, vous allez pouvoir passer dans la dernière phase de votre couple, la phase de grande intimité. Malheureusement, vous avez l'expérience autour de vous de personnes qui, malheureusement, ne connaissaient pas les pirates, ne connaissaient pas les formations et se sont séparées. Effectivement, si on ne gère pas bien sa crise de couple, ça peut être la fin du couple. Mais si vous la gérez bien, vous allez aller plutôt vers quelque chose d'extraordinaire. Et ça, on en parle chaque jour sur notre chaîne YouTube. Vous allez cliquer sur le afficher plus. Vous allez avoir un seul lien. Vous allez trouver le catalogue des 200 formations, mais aussi tout l'écosystème qui vous permet de mettre en place les formations facilement. Le groupe Telegram où je vous mets des petites vidéos tous les jours et des textes, le groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en place les formations et bien sûr on peut aussi se parler sous les vidéos YouTube, sous les commentaires, c'est là que se passent des discussions entre pirates également et c'est là évidemment où je peux aussi vous donner des conseils, voilà donc sur le lien que vous avez en affiché plus, vous aurez même droit à une formation gratuite aujourd'hui. Je vais vous parler des 6 étapes qui font qu'une femme, généralement, regrette de s'être séparée ou de vouloir se séparer. Et ça ne se fait pas d'un seul coup, mais il y a 6 étapes. Je vais vous les citer, je vais vous détailler dans cette vidéo pourquoi les femmes regrettent souvent de revenir avec son conjoint. Simplement, je voulais vous faire cette vidéo parce qu'on entend ici et là chez des coachs ou des psys qui ne sont pas compétents que les femmes reviennent jamais ou que les hommes reviennent jamais. J'entends des bêtises comme ça. Depuis 1999, les femmes reviennent, les hommes reviennent. Il suffit de comprendre les règles de fonctionnement du couple, les points de passage, les cycles et comment les gérer. Imaginez un instant la vie d'une femme qui, après des années d'un mariage solide, peut-être la vôtre, ce mariage solide, serein, sécurisant, se réveille un matin avec un sentiment d'étouffement inexprimable. Cette sensation n'est pas immédiate, elle s'est évidemment infiltrée au fil des ans, dissimulée derrière les sourires de convenance et les conversations banales autour de la table du dîner. Généralement, on s'ennuie. Un jour, à la fin de cette phase de sécurisation, elle se retrouve devant le miroir, incapable de reconnaître ce qu'elle est devenue. Elle réalise que sa vie s'est transformée en une routine écrasante et que les rêves qu'elle avait autrefois, ses aspirations les plus profondes, se sont peu à peu dissoutes dans le quotidien. Ce moment de lucidité, bien que terrifiant et malheureusement inévitable. C'est le point de non-retour de la phase de sécurisation, mais ce n'est pas le point de non-retour du couple, évidemment, où elle prend conscience que dans sa phase de sécurisation, la phase 2, elle est en misère finalement, et ce n'est pas forcément à cause de son conjoint, mais en tout cas, elle ressent un vide intérieur qui l'érode lentement. Les conseils traditionnels à ce moment-là lui offrent peu de réconfort. La copine qui lui donne des conseils, la tati Janine ou le psy de quartier, ça fonctionne pas, on lui dit de se concentrer sur les bons côtés, de trouver du réconfort dans la stabilité de son mariage, de se contenter de ce qu'elle a, etc. Mais ces suggestions ne font qu'aggraver le malaise. Elle se sent piégée comme un papillon pris dans une toile invisible où chaque effort pour se libérer ne fait que l'entraver davantage. La tentation de se confier à ses amis ou à ses proches est forte, mais elle se heurte à un mur d'incompréhension. Certains lui disent « t'as raison, vis ta vie, tout le monde divorce aujourd'hui ». D'autres lui disent « c'est comme ça et c'est pas autrement, reste avec ton mari ». Donc ça ne lui suffit pas, ça ne lui parle pas. Hein, on lui rappelle d'ailleurs sans cesse la valeur de ce qu'elle pourrait perdre si elle décidait de partir, ce qui ne fait qu'intensifier son sentiment d'isolement. Elle se sent incomprise et c'est là qu'elle va souvent trouver un pansement qui l'entend et qui la comprend. Dans la phase où la femme ne se sent pas bien à ce moment-là, elle commence à réaliser que personne finalement ne peut vraiment la comprendre. Personne ne peut comprendre la profondeur de sa détresse, sauf elle-même. Évidemment, vous, messieurs, ou vous, mesdames, si vous êtes en couple homosexuel, vous allez apprendre à gérer cette situation et à montrer à votre conjoint que vous êtes le seul ou la seule à la comprendre. Ce qu'ignore cette personne à ce moment-là, c'est que cette prise de conscience peut être le début d'une transformation intérieure profonde. Plutôt que de chercher des solutions à l'extérieur, elle devrait se tourner vers son propre monde intérieur, mais la plupart du temps, votre épouse va souvent se tourner vers le monde extérieur, les copines, le pansement, etc. Donc il existe évidemment des approches subtiles qui sont fondées sur les neurosciences et la psychologie existentielle qui va vous aider à comprendre ce phénomène à travers les formations, de faire des exercices et de revenir ensemble. Évidemment, votre conjoint va faire une auto-exploration et
votre conjoint va s'apercevoir que plus elle réfléchit, moins elle arrive à trouver des solutions. Et si elle peut tenir un journal intime, des fois vous me dites que vous avez trouvé le journal intime de votre conjoint dans lequel il y a des sentiments très sombres à l'intérieur, eh bien à ce moment-là, à la fin de la phase de sécurisation, votre épouse peut commencer à souffrir et à être en confusion intérieure, évidemment. Pour reconstruire votre couple, vous allez devoir passer par une narration de couple différente, une narration personnelle d'ailleurs qui va faire sens, et vous allez essayer de retrouver des aspects de vous qui ont été négligés et réprimés, qui ont fait que votre épouse est petit à petit s'est écroulée et s'est trouvée dans une situation bien ennuyeuse. Une anecdote marquante illustrant cette première étape est celle de l'écrivaine française Virginie Despentes. Après des années de relations conjugales traditionnelles, elle a plongé dans une crise existentielle profonde qui l'a amenée à écrire un chef-d'œuvre, King Kong Theory. Dans ce livre, Virginie Despentes raconte comment elle a confronté son mal-être, non pas en cherchant à réparer sa relation, mais en déconstruisant les attentes sociétales et en redéfinissant son identité. Ce processus d'écriture l'a non seulement aidé, évidemment, à se libérer des chaînes psychologiques, mais aussi à se reconnecter à sa véritable essence, en dehors des rôles traditionnels imposés par la société. Non, on n'est pas obligé de rester en phase de sécurisation toute ta vie. Toute sa vie. Hein, toute sa vie, toute sa vie. Bruno, on se calme. Donc, en s'inspirant de ce genre de transformation, une femme pourrait, dans une situation similaire, entamer un parcours d'exploration intérieure, mais vous savez que c'est compliqué pour votre épouse, qui va plutôt chercher un parcours extérieur. Elle pourrait, par exemple, s'inscrire à des ateliers de création artistique ou de théâtre, votre épouse, où l'expression de soi deviendrait un moyen de découvrir des facettes inexploitées de sa personnalité, mais non, hein, ces activités qui lui permettraient de canaliser son énergie émotionnelle et aussi de créer un espace où elle pourrait se réinventer, eh bien non, elle préfère fuir dans un pansement. Et c'est pour ça que souvent, il y a ensuite les 6 étapes que je vais vous nommer, où la conjointe commence à comprendre qu'elle a fait des erreurs. Évidemment, elle réalisera à la fin des 6 étapes que le bonheur ne dépendait pas de son mariage et que sa souffrance ne venait pas de son mari. Mais évidemment, elle va apprendre grâce à vous, grâce aux formations que vous allez mettre en place, à faire en sorte que votre conjointe se sente à nouveau vivante et accomplie en tant qu'individu. Et évidemment, c'est là que vous pourrez recommencer la réconciliation de couple, mais aussi la réconciliation avec son partenaire, c'est-à-dire le pirate que vous êtes. Alors je vous rappelle que la première phase du couple, c'est la phase de lune de miel, cet amour exalté, consumé avec des flammes de la passion, c'est ce que vit votre conjoint sûrement avec son pansement au début, et votre conjoint va traverser des épreuves qui vont mettre à nu les véritables sentiments, comme ça a été votre cas évidemment, vous aussi, et ce qui vous a fait passer ensuite dans la phase de sécurisation. L'histoire de l'amour est parfois aussi celle du désamour, hein. C'est pour ça que la relation entre votre conjoint et son pansement se termine. Ce sera un voyage douloureux qui va finir très mal. Alors, quelles sont les 6 étapes qui vont faire que votre conjoint va se remettre en question? Eh bien, effectivement, comme une femme qui se réveille un matin avec la réalisation cruelle de son malheur conjugal, votre conjoint, dans la première étape, a cru que le problème, son vide existentiel, venait de vous, hein, ou venait en tout cas de son couple. Si l'on prend un exemple de Claudius, l'empereur romain, il a peut-être ressenti cette prise de conscience dans sa relation tumultueuse avec Agrippine, la jeune. Ce mariage, que l'empereur avait lui-même orchestré en faisant changer la loi romaine, était fondé sur une passion dévorante. Hein, vous voyez que les relations pansement avec petit chou plus jeune, ça ne date pas d'aujourd'hui. Évidemment, au fil du temps, la passion a laissé place à une profonde désillusion, comme ce qui va se passer entre pansement et votre conjoint. Et les ambitions politiques, les trahisons ont pris le dessus sur l'amour. Agrippine, dans son désir de pouvoir, n'a pas hésité à empoisonner son mari pour propulser leur fils Néron au trône. Vous voyez, comme ça peut mal finir entre pansement et criseux. Finalement, l'amour, initialement exaltant, s'était là aussi mué dans un piège mortel. Donc, après avoir franchi le cap de la séparation, je pars de la maison, j'ai un pansement, eh bien, la femme va vouloir retrouver sa liberté, hein, je veux être libre, convaincue maintenant que le pire est derrière elle, ça y est, je suis parti de la maison, ça y est, j'ai pris un pansement, ça va être mien. Ça va être ma vie, ça va être ma meilleure vie, pardon. Donc après s'être libérée du joug de la relation pesante de son point de vue, eh bien, elle va se retrouver comme Agrippine qui aurait pu se sentir invincible.
sûr d'avoir pris la meilleure décision pour son avenir. Donc, la deuxième phase, je suis sûr de moi, je vis ma meilleure vie, jamais je reviendrai. Cette célébration va évidemment cacher des illusions. C'est une phase transitoire où l'euphorie de votre conjoint qui dit je reviendrai plus, je vis ma meilleure vie, je suis content, je mets des photos sur Instagram avec mon pansement, eh bien, cette euphorie masque la complexité des choix à venir. Arrivera ensuite la phase suivante, une forme de vie idéale qu'imagine votre conjoint, une illusion. Donc la femme va vivre à ce moment-là dans l'illusion d'une nouvelle vie idyllique où chaque choix, pardon, semble justifié. C'est à ce que peut-être a ressenti Clara Schumann après la mort de son mari, le compositeur Robert Schumann. Débarrassée du fardeau de sa maladie, elle pouvait se concentrer pleinement, elle aussi, sur sa carrière musicale, jouir d'une liberté artistique inédite. Mais cette liberté avait un coût. Bien que la musique ait comblé en partie le vide laissé par Robert, Clara n'a pas cessé de porter le poids de son sacrifice, de cette vie marquée par l'ombre de la perte et du devoir. Évidemment, vous allez revenir avec votre conjoint n'est pas décédé. Mais vous voyez que même dans les personnalités célèbres, on croit être à un moment donné libéré, mais en fait, ce n'est qu'une illusion. La réalité finira par rattraper, c'est la phase suivante, votre conjoint qui se sent convaincu que la nouvelle vie est parfaite, notamment avec pansement. Pour la femme qui a voulu se séparer, c'est les moments, hein, où le doute s'installe, où la réalité de la solitude et des responsabilités individuelles commence à peser. La femme commence à se rendre compte que sa souffrance est toujours là, mais que vous n'êtes plus la cause de cette souffrance, car vous avez changé, car vous lui faites passer des bons moments, car vous êtes devenu mieux qu'avant. Donc la réalité de la solitude, les responsabilités individuelles de votre épouse qui a décidé de partir, commence à lui peser. Si on prend l'histoire de Piotr Tchaïkovski dans sa relation avec Nadjeda von Merck, il a certainement relancé, elle a certainement ressenti ce même doute, malgré la profonde connexion intellectuelle et émotionnelle qu'il partageait avec sa mécène. Il ne pouvait pas ignorer la froide réalité de la relation platonique qui, bien que nourrissante, le laissait souvent face à sa propre solitude. Au début, on croit que tout va bien se passer, hein, que la vie va être belle. Eh bien non, au contraire, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, la personne qui a quitté son mari, dans ce cas-là, eh bien, ça commence à peser sérieusement. Et c'est là qu'on rentre dans la phase que j'appelle d'isolement émotionnel, avec des formes d'épuisement, de regret, voire de symptômes dépressifs. À ce moment-là, chez la femme, le regret s'installe en transformant une période finalement très difficile avec des symptômes dépressifs, où la femme réalise à ce moment-là ce qu'elle a perdu. Et Agrippine, par exemple, après avoir trahi et perdu Claudius, n'a jamais véritablement goûté à la victoire. Son acte ultime de trahison, quand on trahit quelqu'un, on finit par le payer, hein, en tout cas psychologiquement. Dans son acte ultime de trahison, la conduite à une vie marquée par la paranoïa et la méfiance, c'est ce qui arrive à une femme. Souvent, vous me le dites que votre épouse est devenue de la paranoïa et de la méfiance avant de revenir. Elle s'est mise dans un isolement émotionnel total qui a précédé à sa propre fin tragique, orchestrée par le fils même pour lequel elle avait tout sacrifié. Finalement, la phase de récupération pousse à une réflexion plus profonde de votre conjoint en crise. Pour votre femme, ce sera le moment de réévaluer ses choix et de reconstruire la vie sur des bases plus solides, de revenir avec vous et de passer en phase 4. C'est ce que peut-être Clara Schumann aussi a vécu en poursuivant son chemin dans le monde musical, malgré ses regrets, malgré ses sacrifices. Elle a finalement trouvé une forme de paix en continuant à honorer l'œuvre de Robert. Mais là, elles n'ont pas pu revenir ensemble puisque Robert était décédé. Donc son amour pour Robert, qui avait été éprouvé par la souffrance, est devenue enfin une source de forme intérieure. Donc ces histoires, lorsqu'elles sont examinées à travers le prisme des étapes d'une séparation, révèlent que l'amour, dans toute sa complexité, est souvent le miroir de l'âme. La phase de prise de conscience d'une femme qui se fait au fur et à mesure, d'abord dans la célébration, je suis trop content de me séparer, puis du doute, puis du regret, sont universelles, touchant non seulement les individus modernes, mais aussi les figures historiques dont la vie furent marquées par l'amour. Ces récits nous rappellent que, quelle que soit l'époque ou les circonstances, l'amour reste une force puissante, capable de forger, de briser et finalement de révéler la véritable essence de ceux qui le vivent. C'est grâce à votre crise de couple que vous allez travailler, que vous allez mettre les formations en place, que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Vous allez trouver votre véritable essence et vous allez pouvoir être heureux avec votre épouse en phase 4.
C'est tout ce que je vous souhaite. Votre épouse va vous dire merci d'avoir changé, merci de vous être formé et merci finalement d'avoir attendu que les 6 phases se passent. Alors, vous auriez aimé que ça se passe beaucoup plus rapidement, mais il y a cette phase de yes, je suis libre au doute, au regret et au désir de revenir, évidemment. Alors, si vous n'avez pas travaillé sur vous, si vous n'avez pas changé, si vous n'avez pas fait passer des bons moments à votre conjoint, eh bien oui, votre conjoint aura des doutes et des regrets, mais ne voudra quand même pas revenir en disant, je vais pas revenir parce que il a pas compris, il est toujours aussi pourri, entre guillemets, donc je ne peux pas revenir. Donc, en revanche, à la fin de cette phase, quand la crise s'estompe, quand il y a les doutes et les regrets, si vous avez changé, si vous passez des bons moments ensemble, oui, vous pourrez passer en phase 4. Des milliers de pirates depuis 1999 y sont arrivés, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous pouvez y arriver. Évidemment, il faut montrer qu'on a changé, il faut repasser des bons moments ensemble. Mais ça, c'est possible, on en parle chaque jour sur notre chaîne YouTube. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous allez passer ces 6 étapes et que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous allez être encore mieux après la crise qu'avant parce que vous aurez pu effectivement trouver comment fonctionne véritablement le couple. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Je vous souhaite la journée que vous méritez.